Ça les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Luigi Info TV. Bref, je vous dis à nous parler de Jeff Lee, que j'ai monté à demander de parler de Jeff Lee. Eh bien, mes vidéos Jeff Lee. Hein. Dans la vidéo, ça nous parler de monsieur qui est médecin, il fait qu'on est qui de quitter jouer football et on parle de ceci dans les amis, je te fais. Et nous parlons de revivre une belle action que monsieur te fait face à des joueurs italiens. Ça m'a plus de plus de bagages, je vous le compte tous les détails, guys, jusqu'à la fin, après tout, on va vous voir. Bon, papa nous de Jeff Lee, je ne tape de nos talents. Il y a un joueur haïtien qui pique un dribble selon moi-même. Bon, qui est-ce qui est Jeff Lee? Jeff Lee fait les 8 août 1992 pour Port-au-Prince en Haïti. C'est un footballeur haïtien, je le connais. Monsieur a évolué comme le terrain de l'équipe FC Caen dans le pays de la France. Actuellement, là, monsieur a 27 ans, il mesure 1m70, qui donc monsieur pas haut du tout. Monsieur a commencé à faire football ici en 2009, une équipe de l'AS Mirbalet en Haïti. Et monsieur a quitté l'équipe ça en 2010 pour te diriger dans le pays de la France dans la catégorie inférieure, une équipe de Le Mans. Mais monsieur a seulement dirigé quelques mois dans la catégorie B1, après il était allé dans la première équipe blanche, qui est la catégorie A, je ne connais pas. Partie inférieure c'est B et puis principal là c'est A. Mais monsieur pas de temps dans l'équipe ça parce que un an pour être quitté pour aller dans l'équipe Nancy Lorraine durant 2012-2013. Après être quitté pays la France pour te diriger dans le pays la Belgique pour la jouer dans l'équipe Standard Liège. L'équipe ça a été joué durant 2014-2015 qui est une seule saison. Après être quitté pays la Belgique pour te retourner encore dans le pays la France pour jouer dans SM Caen qui c'est actuelle équipe. Comme je nous dis, un passager dans l'équipe Le Mans, m'a parlé de l'équipe principale Le Mans. Et il était joué 32 matchs, il était marqué 2 goals. Dans l'équipe Nancy Lorraine, il était joué 43 matchs, il était marqué 12 goals. Dans le Standard Liège, il était marqué 3 goals dans 27 matchs. Et dans 15 jusqu'à maintenant, il était déjà marqué 4 goals dans 35 matchs. Dans ce qui est pour avec la sélection nationale, là, Michel a joué dans la catégorie inférieure jusqu'à 11 novembre 2011. Il était débuté avec la catégorie senior dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2014 là, face à Antigua et Barbuda. J'ai participé dans le Gold Cup avec Haïti dans l'année 2013, il était joué tous les 3 matchs. Mais malheureusement pour la sélection nationale, il était éliminé depuis la première phase. Jeff Lee, c'est un peu plus de génération de football haïtien qui a gagné actuellement. Et je suis un joueur qui aime le football en pile. J'entends dire que j'aime le football en pile. Et d'aller là, je vais démontrer pour qui ça. Il y a plusieurs mecs qui t'ont couru qui te fait connaître que Jeff Lee n'a pas quitté le jeu de football. Que Jeff Lee n'a pas mis un fin dans le football cycliste. À cause du problème que M. Gen a un genou qui n'a pas fait de belles vagues. Et dans une note qui a été déposée publiée pour ne pas connaître qui c'est Haïti Tempo. Haïti Tempo, c'est un média qui a pour avec le football en Haïti. Donc c'est un média sportif haïtien. Il était publié un note qui te fait connaître. Il était commencé pour le dire. En difficulté depuis des années avec ses genoux. Jeff Lee qui s'était fait opérer en janvier dernier n'a toujours pas trouvé l'antidote pour son handicap. Une situation qui met le natif Mirbalet sur les rails de réaliser 2 coupes avec une seule pied en prenant tout d'abord sa retraite internationale, puis en renonçant au crampon malgré son jeune âge. C'est ça qui était un peu lui-même de fait qu'on est barré après Jeff Lee pas le confirmé parce que dans l'interview, il a posé des questions, demandé lui est-ce qu'il a retourné pour le couleur national là encore, il était fait qu'on est que non. Et pour te justifier, réponse, il était continué pour te dire que déjà nous n'est pas en bon état et ça fait depuis 3 ans, mais il dit que il faut lui jouer au football. La parole exacte, il était fait qu'on est que mes genoux ne sont pas en bon état et cela fait depuis 3 ans. Mon médecin m'a dit qu'il faut arrêter de jouer au football. Mais après Jeff Lee pour rendre compte sa football guier pour lui, j'ai lire mes football, j'ai senti football, l'aime dit senti, m'a parlé dans sa game pour avec Ode, m'a parlé avec sa game pour avec passion et donc senti passion football là, j'ai branché mes football, il branché mes pour retourner pour le travail, pour préparer pour réparer genou lui à base de exercice, à base de gens tout connaît un monde récupérer de blessure, puis j'ai commencé travail dit là et actuellement là grâce à Dieu, j'ai retourné dans entraînement avec groupe Jokaen. OK, donc monsieur pas et entraîné seul, j'ai retourné avec groupe Jokaen. Et bien content pour monsieur, monsieur c'est un exemple de les monde remet en bagage, de les monde veut en bagage, et les monde comme si senti passion en bagage, j'ai d'abord nous aller. Oui, monsieur, malgré maintenant, dit qu'il faut arrêter de jouer au football, il ne faut pas jouer au football. Mais quand même, il tentait, jusqu'à ce qu'il ait plus ou moins récupéré et il a joué au football actuellement là. Et on continue la vidéo, ça continue nous parler de revue, une plus belle action que monsieur fait dans toute carrière, selon moi-même. Dans un match qui a été tapé face à Italie qui était fini 2-2. Et je connais un match à Italie qui a mené 2-0 et on était égalisé. Haïtien était content, puis Haïtien était bien passé dans le match là. Et Haïtien était tout va aborder exprimer contentement sur les réseaux sociaux. Ça c'était très bien, Haïtien était bien passé. Et on a pu vous marquer qui était plus remarquable après Haïtien était fini et égalisé le match. C'est une belle action que Jeff Lee fait face à des Italiens qui ont quitté la vidéo pour nous garder. Et puis, on a quoi dans une prochaine vidéo. Ciao, bye, à la prochaine.